Thank you.
l'a déjà fait, veillez à bien couper les sonneries des téléphones portables. Merci. Francese, sì. No, questo va in inglese. Questo è Concan. Questo è spagnolo. Qui va a portare.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous en cette cathédrale de Namur où nous avons la joie d'ordonner prêtre Gianpaolo Cesario et Stani Fernandez. Je salue de façon toute particulière leurs familles et leurs amis qui sont venus de loin, de très loin, de l'Inde, de l'autre bout du monde, d'un peu moins loin, de l'Italie. Soyez les bienvenus, et je pense que c'est tellement exceptionnel, mes frères et mes sœurs, que ces familles méritent notre applaudissement. Je salue également de façon particulière les auditeurs de RCF qui suivent cette célébration et qui participent à cette célébration par la voix des ondes. Voilà, mes frères et mes sœurs, sans tarder, entrons maintenant dans le recueillement de la prière. Seigneur Jésus, envoyé du Père, toi qui es le pain vivant descendu du ciel. Christ, bon pasteur, toi qui nous donnes ton corps et ton sang, pour que le monde ait la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Le Dieu, c'est votre Seigneur.
San Paolo purit garang purilla pehle patrantle vachop bhava bhainyano ami devat arga diu sevtam ti sanskar leli kals kristacha raktant amka vanteli karta nai ani ami mortam to bundo kristacha masan वांटेली करता नाही आम्ही जायते जाणा तरी उंडो एकूच देखून आम्ही एक कूड जाता कित्याक आम्ही समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. देवाचे उत्तर. Lauda Sion Salvatore, lauda Ducem et Pastorem, inimis et canticis. Quantum potes sanctum laude, quia variata vita. Laudis tema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitur. Quemis sacrament facere, tuve patrum nomine, datum dona sit laus plena, sit sonora, sit jucunda, sit decora, mentis jubilatio. Dies enim solemnis agitu, ipa mens et prima ecoditu, uius institutio. Sana viregis, novum pascana viligis, faceve tus terminat. Vetus tatem novitas, cum calcuniat veritas, noctemus quod in scena Christus gessit, faciendum hoc expressit in sui memoria. Doctis a Christi titutis, parendum in salutis, consecratus hostia. Dogmata tu Christianis, quod in canem transit panis, et vinum in sanguine. Quod non capis solum vides, animos non vivat vides, redelerum
la tête vers eximines. Carotibus sacristatus, malet comem Christus, subut agresti cilem. Assument in arcancisus, nor carfactus non divisus, integerat cipitum. Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen ire quali, vite vel interitus. Mosse tralis vita bonis, vide paris funcionis, quam sitis male. Factorem un sacramento, ne vacilles et memento, tantum esse su fragmento, quantum toto tegitu. Nulla dei Christi suda, panis angelorum, factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mitendus calibus. In figuris presidiatur, cum Isaac Pasto panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pace nos tuere, tu nos bona pac videre, in terra viventium. Ad sanctorum civium.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. Giampaolo Cesario pour les diocèses de Namur. Giampaolo Cesario est né le 14 avril 1985 à Taranto, Italie. Il est le quatrième de 7 enfants. Après avoir terminé ses études secondaires, il a été accueilli au séminaire Redemptoris Mater de Namur en 2005.
Une fois sa formation philosophique au studio de Notre-Dame achevée, Giampaolo a vécu 3 ans d'émission entre 2009 et 2012. Une année au Cameroun, une année en Israël et une année au Mexique. Rentré à Namur, il a poursuivi ses études en théologie, achevées en 2016 par le baccalauréat canonique. Il a réalisé ses stages pastoraux, 2 ans à Jeanne Vélène, auprès de l'abbé Juan Carlos Condécide, et en 3e et 4e année de théologie à Siné, auprès de l'abbé Pierre Renard. Il a été ordonné diacre à Siné le 29 janvier 2017. Stani Fernandez pour le diocèse de Namur. Stani Fernandez est né le 28 décembre 1984 à Sirsi, Karnataka, Andhra. Avant d'entrer au séminaire, il a obtenu en 2005 un baccalauréat en lettres auprès de l'Université de Karnataka. Cette même année, il est entré au séminaire Redemptoris Mater de Bangalore en Inde, où il a suivi des cours de philosophie et de théologie jusqu'en 2007. Il est arrivé en février 2008 à Namur. Ici, il a d'abord complété sa formation philosophique au studio de Notre-Dame et vécu entre 2011 et 2013 son temps de mission d'évangélisation en Inde. À son retour, il a entamé sa formation théologique qui s'est achevée cette année-ci. Ses stages pastoraux se sont déroulés ainsi, 2 ans à Vézin et Villanoiré chez l'abbé Anatole Macambou et 2 ans à Gomel dans la paroisse du Saint-Sacrement avec l'abbé Pierre Gérard. Il a été ordonné diacre à Siné le 29 janvier 2017. La Sainte Église de Notre Mère vous présente nos frères Giampaolo et Stani et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises ? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia, laudate Domino, laudate Domino.
mes frères et mes sœurs, rendons grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui, il donne à son Église deux nouveaux prêtres. C'est un don inestimable qui nous vient de la tendresse et de l'amour de notre Dieu. En ce jour, beau jour de la fête Dieu, qui, je le rappelle, a été instituée par une religieuse belge, Sainte-Julienne de Cornillon, et qui a été officialisée pour l'Église universelle il y a juste 700 ans. En ce beau jour de la fête Dieu, mes frères et mes sœurs, accueillons la parole que le Seigneur nous adresse. Il y a, mes frères et mes sœurs, une relation nécessaire entre la nourriture et la vie. Il y a une relation vitale entre le pain et le souffle qui nous habite. Jésus vient de nous dire qu'un même échange doit s'instaurer entre lui et nous, afin que nous vivions d'une autre vie, que nous vivions de la sienne, qui est la vie même de Dieu. Et Jésus est très clair. Les mots dont il se sert sont les mots de tous les jours, mais aucune confusion n'est possible. Il y a pain et pain. Il y a vie et vie. Il y a le pain que nous mangeons à notre table chaque jour. Il y a même cet autre pain, la manne, que nos pères ont mangé dans le désert. Tous deux nourrissent notre vie sur terre, une vie, mes frères et mes sœurs, qui n'est que l'image d'une autre vie, celle de Dieu, qui est vie éternelle. Il y a un autre pain nommé pain de vie, parce qu'il s'identifie à celui qui est le vivant. Il est la source vivifiante qui, dès à présent, jaillit en nous en force de résurrection. Mes frères et mes sœurs, la vie du Christ, sa présence est là, dans ce morceau de pain devenu Eucharistie. En y communiant, le Christ vient au plus intime de nous-mêmes. Il nous unit à lui, de l'intérieur. Sa chair et son sang, mêlés au nôtre, renouvellent tout notre être et nous donnent la vie de Dieu, prémisse de la vie éternelle. Écoutons l'Écriture nous le dire. De même que le Père, qui est la vie, m'a envoyé
et que moi, je suis par le Père. De même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Frères et sœurs, nous le savons, le sacerdoce et l'Eucharistie vont ensemble. C'est là le centre de la vie et de l'action du prêtre qui participe au sacerdoce du Christ. Pour le comprendre, nous devons nous référer à ce que Jésus a demandé aux 12, les 12 apôtres. Faites ceci en mémoire de moi. Avec ces mots, Jésus donne mission aux 12 de mettre en œuvre le mémorial de l'Alliance nouvelle jusqu'à ce qu'il revienne. Si vous faites cela, alors je reste avec vous et en vous. Alors vous passerez avec moi de la mort à la vie. L'institution du mémorial de la Pâque du Seigneur est le grand testament de Jésus. Il a tout récapitulé en elle, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi la célébration de l'Eucharistie est le cœur de toute vie d'Église. Elle est la source et le sens même de la vie du prêtre, comme le rappelle le Concile Vatican II. En célébrant l'Eucharistie, le prêtre n'est pas un simple officiant. Quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il est évident que le prêtre ne dit pas ces paroles en son propre nom. Comme serviteur du Christ et intendant des mystères de Dieu, pour employer les mots de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, le prêtre parle et agit en la personne du Christ. Il est, si j'ose dire, Jésus lui-même, Jésus qui parle et agit en lui. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, ces paroles de l'institution sont liées à l'invocation de l'Esprit-Saint, dans laquelle et par laquelle Jésus agit et est présent. Frères et sœurs, par la participation au corps eucharistique du Seigneur, c'est la communauté tout entière qui devient une communauté eucharistique. Communauté reliée à toutes les autres communautés qui célèbrent l'Eucharistie. Elle est reliée à l'Église tout entière dans son ensemble. Ainsi, une toute petite paroisse, pauvre en moyens et en personne, qui célèbre l'Eucharistie, elle n'est pas seule, elle est en communion avec toutes les paroisses du monde. C'est la raison pour laquelle à chaque Eucharistie, le nom du pape et le nom de l'évêque
sont évoqués. Frères et sœurs, l'Eucharistie se célèbre en communion avec toutes les communautés de par la terre, toute l'Église, celle du ciel et celle de la terre. Cher Jean-Paul, cher Camille, je vous parle même si vous êtes derrière et que je ne peux pas vous voir en ce moment, mais je vous vois avec les yeux de mon cœur. Cher Jean-Paul Estany, devant l'immense de vous étonner et de rendre grâce, c'est toute votre vie de prêtre que vous avez à comprendre comme une existence eucharistique. Lorsque vous prononcerez ces paroles, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », vous devez alors avoir l'attitude de Jésus lui-même, faire de votre vie une offrande pour Dieu, une offrande pour les autres, et en particulier pour les communautés qui vous seront confiées. Et n'oubliez pas, mes amis, l'Eucharistie renvoie toujours vers le monde. Ce n'est pas un entre-nous, c'est un entre-nous pour aller vers le monde. Ite missa est, nous pouvons aussi comprendre Ite missio est. Allez, vous êtes envoyés. Chers amis, aujourd'hui, notre prière se fait intense et vous accompagne. Que le Seigneur bénisse ce que vous entreprendrez dans la force de son nom. Pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié
en étant toujours assidu à la charge de la prière. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Mes frères et mes sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres, demandons-lui de répandre sur Gianpaolo et Stanley les dons de son esprit. Yeah.
Sacerdoce sur Gianpaolo et Stanis que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés, assure-leur toujours la richesse de ta grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Yeah.
Yeah.
sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance, pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le ministère apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle foi au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté qu'ils reçoivent de toi, Seigneur. La charge de seconder l'ordre épiscopal, ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient des vrais collaborateurs des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle alliance et reprendre des forces à ton autel pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient, qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus Christ, que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien, pour offrir le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus Christ, que le Père a consacré par l'Esprit Saint, et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous accomplirez dans ces rites, par ces rites, et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.
Sur sa lutte, viens de l'air,
enjoying so why? E il quarto, quello nero o quello bianco è il film? C'è un po' di scotch, è un po' di scotch, si ammocca proprio. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix. Dans nos offrandes sont le signe, dans le mystère eucharistique. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. D'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi, comme l'agneau sans péché. Tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et reçoivent et soient réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand amour nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi du ciel et de la terre, le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs, Saint Aubin, Saint Jean l'Évangéliste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Rémi, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, nos frères Gianpaolo et Stani qui viennent d'être ordonnés prêtres, les autres prêtres et les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et tu, dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons sa paix. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Les prêtres vont rejoindre les différents points de communion. Les personnes qui se trouvent au fond de la cathédrale pourront communier au milieu de la nef centrale. Celles qui ont pris place à l'avant de la nef centrale monteront vers l'autel par l'allée centrale. Veuillez retourner à votre place par les côtés. Ceux qui sont dans les transepts communieront à cet endroit. Veuillez attendre que les prêtres aient rejoint leur place pour la communion avant de vous déplacer. Merci.
Stéphanie, c'est le moment de vous dire ce que vous savez déjà, vous, mais ce que les autres ne savent pas encore. On est ordonné pour la gloire de Dieu, mais aussi envoyé en mission, type mission. Allez, vous êtes envoyé. Et comme vous le savez, il me tient à cœur que les prêtres du Redemptoris Mater soient des frères et ne soient pas isolés. Remarquez, mes frères et mes sœurs, que nous avons la joie d'ordonner deux prêtres du Redemptoris Mater, du séminaire Redemptoris Mater. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire un grand merci au chemin, au séminaire qui est ici établi à Namur, à son recteur, l'abbé Rocco Rousseau, et au prêtre qui l'aide, aussi les personnes laïques qui vous nourrissent. Envoyez des prêtres, mais aussi avec des familles qui vous entourent, pas tout seul. Et donc, dans cette logique, j'ai pensé que, Stanley, ce serait bien que tu puisses rejoindre Réginald. Et donc, d'être nommé vicaire pour le secteur de Jean Blou. Accepter d'être seul dans sa mission et dans son logement pour un an. Mais je lui avais promis quelqu'un. Réginaldo, j'ai retenu parole. Soyez unis dans la mission. C'est de l'unité qui est entre vous qui se communiquera autour de vous. Rien de plus terrible que des prêtres qui donnent le contre-témoignage de critiques l'un envers l'autre. Giampaolo, toi aussi, ce n'est heureusement pas une surprise, parce que j'ai toujours peur que si je ne leur dis pas avant, ils fassent une syncope ici. Et comme on n'a pas prévu d'infirmière, à moins qu'il y ait quand même dans l'assemblée des infirmières. Et donc j'ai pris la précaution de vous le faire dire hier soir seulement, probablement. Giampaolo, j'aimerais beaucoup que tu puisses être actif avec Francisco Algaba à Jambe. Aussi un moment de fraternité. Je trouve que Jean est d'ailleurs très gâté. Prêtre et famille sont bien établis là-bas et sans doute qu'il faudra un peu partager. Mais ça, c'est pas le moment d'en parler aujourd'hui. L'important, c'est que vous soyez avec Francisco qui est dans le stade
Et toi, Jean-Paul, vous nous connaissez déjà très très bien. Vous connaissez aussi les familles qui travaillent avec vous. Alors là aussi, soyez en communion entre vous et témoignez autour de vous. Attention, ce n'est pas pour créer quelque chose de fermé entre vous. Ça pourrait être un danger. Mais évidemment, de faire de lance pour la mission. Nous venons de vivre une retraite des prêtres à Orval sur le thème d'être disciples missionnaires du Christ. Alors soyez des disciples missionnaires du Christ et donc vous êtes là envoyés pour être missionnistes. Je le répète, c'est tellement important de ne pas être enfermé sur soi-même et d'être témoin autour de soi. Bonne mission, et je vous le répète ce que je vous ai déjà dit au moment de votre ordination diaconale, pas d'activisme au fur et à mesure, et toujours compter sur la grâce de Dieu, parce que sur nos propres forces, c'est déjà un échec. Alors, à la grâce de Dieu. Par ces simples mots, nous voudrions exprimer notre plus profonde gratitude, tout d'abord au Seigneur, pour son amour envers nous et pour le grand don de l'appel à la vocation sacerdotale dont nous ne pourrons jamais épuiser la compréhension du mystère. S'il est vrai qu'aujourd'hui, par notre oui que nous venons de prononcer et par l'action de l'Esprit Saint, nous sommes conformés à l'image du Christ pasteur, il est aussi vrai que nous ne cessons pas d'être des brebis, toujours nécessiteuses de se laisser conduire par le seul et unique véritable pasteur, et nécessiteuses d'écouter sans cesse sa voix. Nous vous remercions de tout notre cœur, Monseigneur Van Cotem et Monseigneur Warren. Pour nous avoir introduit aujourd'hui par l'imposition des mains dans le presbytérium de ce diocèse. La majorité de ceux qui sont ici le sait, ce n'est pas nous qui avons choisi d'être envoyés ici, que ce pays ait nécessairement besoin de nous, nous ne le croyons pas. Mais c'est ainsi que Dieu, dans sa providence, a voulu pour nous, pour que nous puissions affirmer avec l'évangéliste, nous sommes des simples serviteurs. Une salutation chaleureuse va à tous nos confrères venus pour nous accueillir et se réjouir avec nous cet après-midi. Un tout grand merci va aussi aux personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué pendant ces années de formation au séminaire à notre croissance humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. Merci au recteur et vice-recteur du Collège Rédemptoriste. Quel numéro est ? Et à nos pères spirituels, au président et au formateur du séminaire Notre-Dame, ainsi qu'à tous les professeurs et membres du Studium Notre-Dame qui nous ont suivis pendant toutes ces années avec bonté. Merci également aux prêtres qui nous ont accueillis comme stagiaires
dans les paroisses pendant ces années-ci. Nos vocations sont tout d'abord le fruit de la foi reçue dans nos familles. C'est en effet dans nos foyers respectifs que nous avons fait nos premières expériences de foi et d'amour. Nous disons aujourd'hui merci à mon papa ici présent, ainsi qu'à la maman de John Paul. Mais nous tenons à remercier spécialement le papa de John Paul et ma maman qui, nous en sommes sûrs du ciel, sont unis à nous dans la communion des saints pour cette fête. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nos vocations ont surgi dans le chemin néo-catéchuménal, dans un chemin d'initiation chrétienne que nous avons entrepris dans nos pays respectifs au sein d'une communauté de frères et de sœurs dans la foi. Comme Saint Jean-Paul II aimait le définir, le chemin néo-catéchuménal est un itinéraire de formation chrétienne valide pour la société et le temps d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus que la formation chrétienne ne termine jamais, car les grâces du baptême sont inépuisables. C'est pourquoi l'un des piliers de notre formation en tant que séminariste et à partir d'aujourd'hui en tant que prêtre est représenté par notre petite communauté néo-catéchuménale. Communauté des frères et des sœurs avec qui, ensemble, nous continuons à cheminer dans la foi et à redécouvrir les grâces reçues dans notre baptême. Nous remercions ces frères qui nous accompagnent aujourd'hui ici. Nous tenons à remercier l'équipe de catéchistes responsables du chemin dans ce pays. Aujourd'hui, ils auront bien voulu être présents ici. Mais pour des questions de santé, cela ne leur a pas été possible. Eux aussi ont contribué fructueusement à notre formation. Parmi ceux qui, par contre, ont pu être là, mais non sans difficulté, il y a ma famille, au moins une partie venue de l'Inde. C'est à eux que je vais m'adresser pour les remercier en ma langue maternelle. Mujha Mogacha Kutmacha Sandhyanu, Bharatata, Belgium Aporian, Poinkar, Yaamcha, Yaznik, Dikshecha, Sombroman, Bhaget Yapasot, Tunka, Kalzatam, Boremakta, Dev Borekur. Parmi eux, nous saluons notamment les membres de sa famille, ainsi que les frères et amis de la communauté d'origine de John Paul. Grazie tante per la vostra affezione che ci dimostrate con la vostra presenza e la vostra gioia che ci trasmettete. De suivre en direct cette célébration par la radio ou par internet. La vidéo directe a eu lieu en plusieurs langues pour permettre à toutes nos connaissances éparpillées de par le monde et notamment
dans les endroits où nous avons été en mission, de pouvoir suivre la célébration et entrer ainsi en communion avec nous. Merci aux opérateurs et techniciens qui ont rendu cela possible. C'est à ces spectateurs lointains, mais proches à nous par la technologie, que nous adressons une salutation. Aïe. Thank you for having prayed with us and for us in this special day. Yamcha Yaznikat Yaznikacha Disacho Somrom YouTube channel atan Poletele Acha Tumka Sarvan Amche Pasor Maglia Katir Deu Boreko. Un saluto a voi che ci avete seguito attraverso i mezzi di comunicazione. Grazie per aver pregato per noi e con noi in questo giorno speciale. Un saluto a los que nos están mirando por internet. Gracias por haber rezado por nosotros y con nosotros en este día especial por nosotros. Merci a ceux et celles qui nous ont rejoints des paroisses où Jean-Paul et moi nous avons vécu nos insertion pastorale, d'abord en tant que séminariste et puis en tant que diacre. Un grand merci tout particulier va à toutes les personnes qui ont contribué au bon et beau déroulement de cette célébration d'ordination. Merci à ceux qui ont rendu possible cela par leur dévouement liturgique et musical. Cette célébration est reflétée en chacun de nous, au moins un peu, l'amour immense que Dieu a pour chacun de nous. C'est enfin à vous tous, ici présents et nous, que notre gratitude est adressée. Nous vous remercions par votre précieuse prière qui nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez que notre ordination n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ. C'est pourquoi, comme le fait après chaque discours notre cher pape François, nous vous le demandons aussi, n'oubliez pas de prier pour nous. Tout de suite, après la célébration, un verre de l'amitié sera offert. Nous invitons tous ceux qui le peuvent de continuer à se réjouir et se rendre à l'évêché que notre évêque ouvre très généreusement pour l'occasion. La majorité sait où cela se trouve. Pour les autres, il suffira de suivre le mouvement. Maintenant, nous tournons notre regard vers la Vierge Marie. Mère du Christ, Mère de l'Église et de tous les prêtres. Nous lui confions le ministère sacerdotal de Gianpaolo et Stani, qui viennent d'être ordonnés prêtres, et avec eux, tout notre diocèse de Namur. Dispose à
est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi toi seul vas Abbiamo l'inglese. Abbiamo l'inglese. Uno spagnolo. Un altro. Allez dans la paix du Christ.
auricolari.